papa, l'opéra Miami vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Nous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue dans notre séminaire. Ici ce matin à l'orphelinat Miamo, à l'occasion de la remise des attestations de fin de stage à certains pensionnaires de l'orphelinat qui ont participé pour une période d'une, deux semaines, un mois et demi et deux mois pour certains, à la ferme agropastorale de Essekou. Qui est géré par l'ONG Hope for Cameroun. La cérémonie que nous organisons, qui se veut brève, va se passer en trois grands mouvements. Il y aura une introduction avec le mot de la responsable de l'orphelinat. Elle va nous dire bienvenue. Après, nous allons passer à une présentation de l'activité de stage à la ferme. Par M. Célestin, qui est le directeur de la ferme. Après quoi, nous allons passer à la remise des attestations, parce que nous avons pensé remettre à ceux qui ont participé au stage à la ferme des attestations de fin de stage, qui montrent qu'ils ont fait passer le temps à la ferme. Et Hope for Cameroun a aussi voulu, à côté de la petite contribution que chacun qui a été à la ferme a reçue, vous donner des sacs de classe, parce que beaucoup sont encore élèves et étudiants, un sac pour chacun qui a participé à cette activité, en plus de sa prime que certains ont déjà reçue, que certains vont recevoir. Après ça, nous allons remettre un don symbolique à l'orphelinat pour les autres enfants qui n'ont pas pu participer au stage. Et après, ce sera le mot de remerciement du responsable. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à maman Miamo pour son mot de bienvenue. M'avoir passé la parole tous les enfants de l'orphelinat Miamo se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Hope for Cameroun. Ok. Sinon nous sommes une structure d'encadrement d'enfants, des enfants orphelins de père, de mère ou des deux parents, des enfants abandonnés. Bref, tous les enfants en détresse. Nous pouvons vraiment remercier Hope for Cameroun pour son initiative. Et nous pouvons aussi le remercier pour l'intégration des enfants de l'orphelinat, pour ce stage qui peut à l'avenir ouvrir beaucoup de portes aux enfants nécessiteux. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire. Mon grand mot, c'est le merci. Et je pense que nous allons évoluer et on va dire ce qu'on peut dire. Merci. Merci, maman Miamo. Avant de passer la parole à responsable ou directeur de la ferme, je voudrais dire que Hope for Cameroun, qui est une ONG basée en Allemagne et qui a engagé des initiatives au Cameroun, a voulu faire à sa manière, a voulu donner des choses en sa manière à l'orphelinat. Parce que nous savons que traditionnellement,
les gens viennent faire des dons sporadiques à l'orphelinat et on s'en va. Et Hope for Cameroun a pensé à la place des dons à l'orphelinat sous forme de, d'aliments ou d'autres choses, d'aider plutôt les jeunes de l'orphelinat en leur donnant la possibilité de changer de cadre, en leur donnant la possibilité d'être utile envers eux-mêmes. C'est pour cela que, au lieu de simplement faire un don à l'orphelinat, on a voulu, à travers les enfants de l'orphelinat, accompagner l'éducation des plus grands. C'est pourquoi le stage a été organisé. Et à la fin du stage, ceux qui ont participé au stage ont eu des frais de stage. Et c'est comme cela que l'ONG veut accompagner les jeunes. Parce qu'il n'est pas simplement question de leur donner à manger, mais aussi pour leur donner des ressources pour pouvoir mener d'autres activités. Donc, ces derniers ont donc passé une longue période à la ferme, à Essebou. Je vais donc laisser la parole à monsieur le directeur de la ferme pour vous dire en quoi a consisté le stage et qu'est-ce qu'on a tiré de leur passage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. En ce qui concerne le stage qui s'est passé à la ferme agro-pastorale de Sekou, le stage s'est bien passé. En ce qui concerne aussi, c'est que les stagiaires ont participé. Ils ont semis et récolte du maïs, semis et entretien du manioc, entretien des arbres fruitiers, introduction générale à l'élevage. Donc, tout ce qu'on faisait à la ferme, tous les stagiaires ont participé sur ça. Donc, tout s'est bien passé. Étant donné que c'est clairement établi maintenant que ces derniers ont participé, nous avons prévu des attestations de fin de stage que nous devons remettre à chacun d'eux. Cette attestation vous permet déjà de prouver que vous avez été à 100 jours et plus tard, vous êtes encore jeune. Vous allez chercher l'emploi plus tard. Quelque part, vous allez dire, j'ai fait mon premier stage à 14 ans. J'ai fait mon premier stage à 15 ans. Et vous serez différent de celui qui fait le stage à 20 ans. Et nous voulons aussi vous faire la promesse. Je dis à l'attention du responsable de l'orphelinat que nous sommes engagés à mettre en place un partenariat de telle manière que chaque fois que nous organisons le stage, qu'on donne la possibilité aux jeunes de l'orphelinat de participer à ces stages pour déjà leur permettre de continuer à apprendre des activités agro-pastorales, mais aussi pour leur permettre d'avoir de participer à leur éducation. Donc, maintenant, c'est le moment de la remise. C'est le moment de la remise des attestations. En tout, il y a 10 personnes qui ont participé effectivement à ce stage. Et 10 personnes, il y en a 3 que l'orphelinat a mis à la disposition de la ferme. Il y en a qui sont venus d'ailleurs. Donc,
En cette occasion, malheureusement, on n'a pas tous ceux qui ont participé à ce stage, mais quelques-uns sont présents. Nous allons leur remettre officiellement les attestations et par la suite, ceux qui n'auront pas été là viendront récupérer leurs attestations, soit à l'orphelinat, soit à la ferme, soit au CEPDEL qui représente Hope for Cameroun dans la ville de Tchamp. Donc nous avons donc, pour ceux qu'on va remettre les attestations, on aura Kengafak Larry, on aura Chamedieu Harry, j'espère qu'il est là. On aura Dongmo Baudouin, il est là. On aura Ange Briand, il est là. On aura Vouzab Rochinel, qui est là. On aura Joya Alima. Donc, voilà. Nous allons donc donner la possibilité à Madame la responsable de l'orphelinat de remettre la première attestation. Hein? C'était un peu dur, non? Oui, mais c'est pour te former. L'autre Rochinel. Vous avez Rochinel. C'est lui ici? Oui. Rochinel. Il semble que tu as fui la ferme. Vous riez de Rochinel? C'est mon ami, hein? Vous voulez être mes amis? Il ne faut plus rire de lui, hein? Donc, Joya viendra prendre sa part plus tard. Maintenant, ceux qui ont droit au sac, il y a Harry, il y a Larry, il y a Rian Baudouin. Ok? Voilà. On applaudit. On va commencer par Harry. Second, ce sera celui de Larry. Donc, il est constitué des cahiers, des crayons, des boîtes de craie, du scotch, des ardoises, des tailles crayons, des gommes et un sac de classe. Ça, c'est pour celui qui sera le meilleur. Le premier de l'orphelinat. Donc, symboliquement, je voudrais inviter maman à réceptionner. Donc, on va vous donner le temps.
Hope for Cameroun. Hope for Cameroun. Hope for Cameroun. Oui. Oui, monsieur le président. Les mots me manquent pour vous dire merci. Le merci là vient du fond de mon cœur. Ça me va droit au cœur. Merci pour l'initiative. Les enfants ont fait un bon bout de temps avec vous à Sancho. Et je pense que qu'ils vont un peu nous montrer ce que vous allez faire, ce que vous avez fait après. Ne serait-ce que faire un petit jardin derrière ou bien élever quelques petits poulets. Je pense qu'ils vont le faire. Le merci là va surtout à l'endroit du président, monsieur Tagebou Henrico en Allemagne. Et merci encore une fois de plus d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir pensé à ces enfants. Ces enfants ont besoin du soutien. Ils ont besoin de l'affection. Et ce travail-là, ce n'est pas pour moi seul. Je pense que grâce à son concours, les enfants auront des opportunités. Ils auront des ouvertures. Merci encore une fois de plus à l'association, à tous les membres de cette association qui ont bien voulu encadrer ces enfants pendant cette période de stage. Je remercie infiniment encore M. Henrico pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il pense encore faire pour ses nécessités. Merci, les mots me manquent, je suis contente et je pense qu'on va progresser et l'avenir va nous dire comment on va évoluer. Merci beaucoup. J'ai participé au stage à Sephorosa. Ce que j'ai eu à faire durant tout mes un mois de stage, nous avons eu à récolter le maïs. Il y a semé des manioc, l'entretien des animaux aussi. Par exemple, j'ai appris comment on entretient les lapins, les porcs, les canards, les dindons, tout ça. J'ai aussi appris à semer le manioc, à récolter beaucoup de choses, et les arbres fruitiers, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mais ce que j'ai pu retenir là-bas, c'est mon thème basé vraiment sur les lapins. Sur les lapins, oui. Ça va que je me suis beaucoup amélioré sur les lapins. Donc j'ai vraiment aimé ce stage. Donc je remercie vraiment l'association d'avoir nous fait appel pour ce stage. Durant ces un mois de vacances, j'ai eu à effectuer un stage dans l'arrondissement de Sancho, principalement à Issekou, dans la ferme Sephorosa. Durant mes un mois de stage, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la récolte et le semis du maïs, la récolte et le semis du manioc, comment engraisser les cultures. Côté animal, j'ai appris beaucoup de choses sur le cycle de production des lapins, des porcs, des canards. Et désormais, je peux affirmer avec certitude que je suis apte à débuter, à me lancer personnellement dans l'élevage des lapins. Et je tiens particulièrement à remercier un grand frère qui, durant ma formation, durant mes un mois là-bas, m'a beaucoup aidé moralement, physiquement, M. Guy. Il n'est pas ici actuellement avec nous, mais je ne sais pas, je lui passe un bonjour, car c'est un grand frère qui vraiment m'a beaucoup aidé. Et je remercie également Hope for Cameroun pour la chance qu'ils m'ont donnée de participer à ce stage. Je remercie également le directeur général de la ferme, M. Célestin Kouassi, qui a cru à nous, qui nous a fait confiance, qui nous a accompagnés et qui nous a vraiment soutenus. During my 1 month in Sancho, especially in Issekou, I learned how to plant cassava.
tu plantes maïs, tu récoltes maïs. Tu plantes maïs, tu récoltes maïs, tu récoltes cassala, tu plantes cassala. Animal section. I learn some food of rabbit, some food of pig, some food of chicken, some food of chicken, some food of dog. I want to thank Off for Cameroon to give us the chance to do a stage in Sanchu. I want to thank Mr. Celestin to give us a chance to do a stage in their firm. En ce qui concerne le stage qui s'est passé pendant les vacances, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié les jeunes de l'orphelinat Miamo qui sont arrivés chez nous. Ils ont bien travaillé sans nous déranger. Et les autres qui sont venus d'ailleurs, on n'a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Donc vraiment, je les dis encore merci. Le président de l'association Centre pour l'environnement, le partenariat et le développement local, en abrégé CEPDEL, dans la ville de Tchang. Nous intervenons au Cameroun comme partenaire représentant de Hope for Cameroun. Et nous accompagnons Hope for Cameroun dans la réalisation de ses activités. Nous sommes réunis ce matin à l'occasion de la cérémonie de remise des parchemins et des bonifications aux jeunes de l'orphelinat Miamo et d'autres jeunes qui ont participé pendant un ou deux mois au stage de vacances dans la ferme agropastorale de Essekou. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'orphelinat Miamo? Nous avons porté le choix sur cet orphelinat parce que Hope for Cameroun a une ambition sociale. Et lorsqu'on a l'ambition sociale, on s'en va dans des centres sociaux comme ceux-ci. Et Hope for Cameroun a voulu apporter sa manière de venir en aide aux orphelinats, en plus de ce que Hope for Cameroun peut donner en termes d'aliments ou d'autres provisions pour que l'orphelinat tienne. Elle a pensé contribuer à la formation des jeunes parce qu'ils ont passé un mois dans la ferme à voir comment on mène des activités sur le plan agricole, à voir comment on mène des activités sur l'aspect pastoral. Et deux gains sont visés. Premier gain, cela permet aux jeunes d'avoir un peu d'argent pour pouvoir participer au paiement de sa scolarité. Deuxième objectif, pour pouvoir apprendre un métier. Parce que dès le bas âge, il peut s'accoutumer soit à l'agriculture, soit à l'élevage. Cela va permettre à ce dernier, le moment venu, de pouvoir entreprendre. Donc, l'objectif qui est visé, c'est qu'à terme, nous comptons établir un partenariat formel avec l'orphelinat Miamo, ce qui nous permet, pendant toutes les périodes d'interruption scolaire, de les utiliser dans la ferme pour leur permettre de continuer à apprendre quelque chose et pour leur permettre de gagner un peu d'argent. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Poutine Chebokale. De quel établissement venez-vous? Je viens du Trésor Forêt-Bois, centre régional spécialisé en agriculture, forêt et bois, qui se trouve à Yaoundé, précisément à Col-Bisson. Ah d'accord, ça dit vous venez de Yaoundé, précisément à Col-Bisson. Et pourquoi avez-vous choisi Sephorosa comme pour passer vos stages? Mais je souhaite Sephorosa parce que Sephorosa est un centre polysémique, c'est-à-dire fond dans la culture, la production végétale et aussi dans l'élevage.
l'élevage d'une multitude de spécimens. Ok, c'est-à-dire qu'après votre formation, souhaiterez vous venir travailler à Souforosa? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Caleb nous assure ici que, par exemple, après son stage, il peut venir déposer ses dossiers à Souforosa. Bienvenue à Souforosa encore, M. Caleb. Merci. D'accord. Hello, good morning, miss. Good morning, oh. How are you? I'm fine. Ah, I'm very fine. How can I call you? My name is Tagiwamini Erol Vanel. Tagiwamini Erol Vanel. Ah, from which school are you coming from? I'm coming from the Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences. I was in level 1 and now I'm going to level 2. Ah, so now you are going to level 2 in Faza. Yeah, Faza of Chang. Faza of Chang. Mm-hmm. Okay. Thank you, Miss. And why have you choose Faza, Souforosa to do your internship? I've chosen Souforosa Center because it is open to many doors. Because here we have agricultural activities and learning activities. And I've chosen this center because I need to earn money for the holidays and to acquire knowledge how to do some cultural activities like maize, cassava, and how to rear dogs, pigs, and chickens. Nani? Vous n'applaudissez pas. Thank you.